Cadre choisi, l'un c'est du Gabon où plusieurs films africains et du monde seront appréciés. Au Gabon, mais plus largement dans la sous-région et aussi dans des partenariats internationaux. Cette année, ce sont 22 films qui seront présentés de 16 pays. Donc ça vous donne quand même l'idée de la diversité des regards documentaires que nous allons avoir et un ensemble de prix qui seront remis. La tradition qui est respectée. Cette édition se fait donc, comme vous le savez, sous le patronage du ministère de la communication, de l'économie numérique, chargé de la culture, de la justice. Je confirme, comme Bénédicte l'a dit, que c'est vraiment une opération, une institution qui est là maintenant et qui est dont l'initiative vient de l'Institut, l'Institut gabonais de l'image du son et l'Institut français du Gabon. À côté du festival, nous avons intégré depuis l'année dernière le partenariat de la mairie de ville, de l'hôtel de ville, qui nous accompagne dans un jeu concours dont le concept est citoyen filmeur, citoyen acteur, qui a la particularité d'être un concours de films réalisé à partir de films portables. Des projections seront organisées à Port-Gentil et à Mwanda. Ainsi, des prix seront décernés à la soirée de clôture. Cette 11e édition récompensera aussi un film documentaire. Richard,